J'ai même mon ancien collègue, Elie Semoun, là. Mais j'aime pas parler de lui, parce que... Non, un ami d'enfance, c'est ce que je te dis. L'année dernière, il a été obligé d'annuler toutes ses dates de spectacle, putain. Plus personne n'y va. Même les invités n'y vont plus, putain. Tu sais, les comités d'entreprise, en fin d'année, ils t'offrent une boîte de chocolat. Tiens, puis deux places pour Semoun. Ouais, balance le chocolat. Attends, il ménage pas ses efforts, putain. Il est chez Arthur toutes les semaines, il monte son cul, il essaye de rester jeune. Mais ça marche plus. L'autre jour, il m'a appelé, il était à Tel Aviv, je vous jure. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu sais, il essaye de se relancer, un petit tour à la maison mère, il s'en dit, ça peut pas faire de mal. Et il monte sur scène, au bout de 2 minutes, les gens, et Dieudonné, il est où, Dieudonné? Je devrais pas vous le dire, mais l'autre jour, il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, je suis devant mon ordinateur, je vois que tu repars en tournée en 2014, tous les Zéniths de France. Je suis content pour toi, Dieudo. Je pourrais peut-être faire ta première partie. J'ai dit non, Elie, non. Tel Aviv, je peux pas suivre. T'es allé trop loin, putain. Puis je veux dire, je suis plus en mesure d'assurer ta sécurité, t'es marrant. Quoi. Parce que qu'au départ, quand on a commencé, se prendre une tomate, ça fait partie du jeu, mais aujourd'hui... Un ananas. Ananas. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la chevage, je te tiens par l'ananas. Chaud. Arrête, Jackie, il y a trop d'émotions, je peux plus. Oh, faut que je pisse, tiens.